Bonjour, je m'appelle Arnaud Dalen et je suis donc magicien à la Maison de la Magie Robert Houdin à Blois. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler donc de Jean-Eugène Robert Houdin et de certains de ses numéros. J'ai donc repris la lecture de Confidences et Révélations de Robert Houdin et à la fin de l'ouvrage, Jean-Eugène nous décrit certains de ses numéros. Et le numéro qui va m'intéresser aujourd'hui s'intitule « La pêche merveilleuse ». Alors, à l'origine, c'est un tour chinois, voilà, la pêche merveilleuse. En France, il y a le magicien Philippe qui l'a beaucoup présenté. Et donc, Robert Houdin a décidé un jour de mettre ce numéro à son répertoire, sous le nom de la pêche merveilleuse ou la pêche miraculeuse. Donc, il arrivait sur scène avec un guéridon pointu, qui se finissait juste par une pointe, il n'y avait pas la table qu'il posait à côté de lui. Il présentait un châle, un grand châle, qu'il montrait vite de tous les côtés. Et puis, il plaçait le châle au-dessus du guéridon et, suivi d'un geste magique, il faisait apparaître un bassin rempli de poissons. Voilà. Donc, le bassin tenait en équilibre sur la pointe du guéridon. Et donc, pour preuve voilà, que c'était très compliqué de faire apparaître ce bassin, si quelqu'un tentait de déplacer le guéridon, il y avait le risque de renverser de l'eau un peu partout sur scène. Donc, le bassin était vraiment apparu par magie. Robert Houdin a décrit ensuite l'explication de ce tour de magie dans un autre ouvrage qui s'appelle « Les secrets de la prestidigitation ». Et bien sûr, à partir de là, ce numéro a été beaucoup, beaucoup copié. Voilà, c'était donc un des numéros du célèbre Jean-Eugène Robert Houdin.